Bonsoir, bonjour les voyageurs, bienvenue pour ce nouvel épisode, le 9e de lecture commentaire de l'œuvre de Sylvain Muldoon, écrit avec Howard Carrington, La projection du corps astral, 3e édition, édition du Rocher. On est au chapitre 5, mais avant tout, quelques petites nouvelles, toujours un petit peu. Bon, déjà vous voyez que je vais faire les lectures dorénavant face cam. Moi, je vais tester en fait pour voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si vous préférez avoir plutôt des inserts, etc. Dans tous les cas, moi ce sera toujours un plaisir de lire et de commenter cet ouvrage qui pour moi est fondateur de quelque chose, celui des voyageurs pragmatiques modernes. Pour rappel, pourquoi je commence par Sylvain Muldoon? Parce que je pense que c'est lui qui a donné naissance à ces voyageurs que sont Robert Monroe, William Bellman, Mark Auburn et puis plein d'autres et plein d'autres qui sont complètement anonymes. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, la sortie du corps, c'est un phénomène qui existe réellement, que peut-être on comprend très mal, mais en tout cas qu'on a toujours essayé d'expliquer avec nos mots. Et ces mots pouvaient être teintés d'une culture, pouvaient être teintés d'une religion, pouvait être teinté d'une tradition. Mais dès que tu commences à l'atteindre, alors à ce moment-là, tu peux perdre les gens. Tu peux les perdre dans un espèce de labyrinthe où, au final, il y aura tout sauf véritablement la compréhension du phénomène de sortie hors du corps. C'est pour ça que je me base pas sur les traditions, les anciennes traditions, pour expliquer la sortie hors du corps. Pour moi, la sortie hors du corps, c'est pas une béquille, c'est pas une porte qui doit me mener à une tradition particulière et à tout expliquer métaphysiquement l'univers par cette seule tradition et par ce seul prisme. Mais voilà, on peut se considérer quand même comme étant assez ouvert pour pouvoir entendre le discours des traditions sans pour autant y adhérer avec une espèce de foi ou de croyance aveugle. Donc je vais continuer et concernant les nouvelles, je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues au stage Sortie hors du corps à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Il reste encore Montpellier, et après je vais faire un tour encore à Paris pour une session 2. Et ensuite j'irai à Nantes, à Annecy. J'habite à Annecy donc ça va être un peu facile. Et pour finir, j'irai du coup à Lille. Les autres villes, je ne vous ai pas oublié. J'irai bien à Strasbourg, j'irai bien à Nice, à Marseille. Tant qu'il y a de la demande et des gens motivés, je viendrai. Dans tous les cas, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont partagé avec moi des moments privilégiés, je dirais. Grâce à vous, 50% de mon rêve a été réalisé, celui de devenir un formateur dans un domaine qui me plaît et dans un domaine qui pourrait tendre en fait à du spirituel. Je ne prétends pas avoir un grand message spirituel à donner, juste un rappel de conscience de ce que peut être, peut-être, notre véritable nature. Donc, on va continuer sans tarder. C'était déjà trop long, si vous permettez. Chapitre 5. Effet d'instabilité. Alors, j'ai découvert qu'en règle générale, le subconscient libère le fantôme de sa catalepsie à la fin du champ d'activité du câble. Quand la mobilité est rendue au corps projeté dans ce champ, il est presque certain que l'intériorisation se produira instantanément, dans le cas d'un débutant conscient. Juste là, premier paragraphe, tout de suite là j'ai envie de commenter quoi. Nous on appelle ça la ZRR, la zone de retour rapide. C'est un espèce de champ qui fait à peu près 2 mètres autour en fait du corps physique. Et quand on est dans ce champ, la moindre émotion, la moindre instabilité en effet nous rappelle au corps directement. Donc les débutants en général ils restent à côté, ils restent dans ce ZRR, dans cette zone là. Et le problème c'est que le moindre truc les fait rappeler au corps. Alors, c'est pour ça que je conseille toujours aux gens de quitter cette zone-là pour pouvoir être tranquille. Ça redonne de la stabilité au phénomène, à l'expérience, ça fixe la lucidité et après, vous pouvez continuer votre voyage. Je parlerai plus en détail de ce qui se produit lors de cette libération dans le champ d'activité du câble. Supposez que le corps astral soit projeté et redressé à une distance d'environ 8 pieds du corps physique. Il se situe toujours dans le champ d'activité du câble. Or, il y a dans ce dernier des tractions et des pulsions. Maintenant, si à ce stade le fantôme est investi de ses pouvoirs moteurs, il agira très semblablement à un ivrogne titubant ou à un enfant apprenant à marcher. Par conséquent, les émotions seraient éveillées et le fantôme redeviendrait cataleptique, ramené à l'horizontale au-dessus du corps physique et rejeté en lui. Bien sûr,
La répétition de tels faits finirait par habituer le projecteur. On doit véritablement apprendre à marcher quand on devient un projecteur astral, et que l'on reçoit les impulsions à se mouvoir dans le champ d'activité du câble. Un autre fait gênant dans le recouvrement de mobilité à cet endroit est que le sujet se trouve rarement capable de conserver une véritable stabilité. Il est au contraire comme abasourdi, où il a le vertige, ayant l'impression qu'il est immobile et que les choses bougent autour de lui. Cependant, le subconscient essaye de conserver le fantôme en catalepsie, et généralement il y réussit, jusqu'à ce qu'il ait dépassé le champ d'activité du câble. Les fonctions individuelles complexes par elles-mêmes, et travaillant simultanément pendant une projection astrale, sont aussi variées que multiples. Mais il faut se rappeler que la plupart de ces fonctions déconcertantes ont lieu dans le champ d'activité du câble, là où le fantôme est séparé du corps physique, mais n'en est pas encore libéré. En fait, une projection ne peut être considérée comme parfaite si l'entité éthérée est entièrement séparée de l'entité matérielle tout en restant dans le champ d'activité du câble. Ce champ d'activité semble cependant inconnu. À ma connaissance, personne n'en a jamais donné l'explication, ni ne l'a même seulement mentionné auparavant. Je crois même que la plupart des expérimentateurs ne savent pas qu'il existe, et croient que le fantôme est libre dès le moment où il quitte le corps physique. Il est peu probable que le néophyte qui se livre à la projection astrale soit libéré de la catalepsie, ou retrouve sa mobilité, ou bien devienne conscient avec un parfait fonctionnement des sens dans le champ d'activité du câble. Cela se produit rarement. Le fait que les médiums capables de se projeter consciemment n'ont jamais parlé des particularités du câble démontre qu'ils n'ont jamais été parfaitement normaux tant qu'ils étaient sous l'emprise du champ d'activité du câble. Je crois que le subconscient a un plan précis pour projeter le corps astral et que si celui-ci se déroule bien, comme le subconscient l'a prévu, la normalité n'apparaîtra dans le fantôme que s'il se trouve à la fin ou en dehors du champ. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Le pire, c'est que, en fait, ce qu'il décrit là, c'est des choses que j'avais vécues avant de le lire. Il m'a fallu du temps pour lire Muldoon, parce que, bon, c'est un style quand même des années 20. Hein, c'est pas tout le monde, en fait, qui lit, en fait, du Muldoon ou des livres des années 20. Moi, je me suis arrêté aux années 70 pour la lecture de fiction, par exemple. Dans tous les cas, ce qu'il dit là est vraiment très intéressant. Ça prouve juste que le phénomène est... moi, ça me... excusez-moi, mais ça me... à chaque fois, ça m'ébahit. Tant, en fait, nos expériences sont similaires. Et ce que je voulais rajouter, en fait, par rapport à ça, c'est que il avait dit qu'il y avait personne qui avait donné l'explication par rapport, en fait, à cette ZRR et pourquoi, en fait, on était rapatrié. Donc, moi, j'ai dit, il y a les émotions. Mais pourquoi, en fait, on est quand même rapatrié? Il faut savoir qu'au-delà des 2 mètres de la ZRR, de la zone de réintégration rapide, vous pouvez avoir des émotions. Même s'ils sont d'une autre nature, ça ne va pas vous ramener dans le corps physique instantanément. Alors pourquoi là, oui? Je pense qu'il y a des liaisons qui s'effectuent entre le corps physique et le corps de voyage. Des liaisons à cause du rapprochement géographique peut-être, ou perçu comme tel par le voyageur, et ça fait que les informations qui parcourent la conscience du corps de voyage au corps physique sont instantanées, rapides et prégnantes. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner, pour que cette liaison, elle s'atténue, et qu'elle n'existe en fait que parce que Muldoon appelle le câble, si tant est que le câble n'est pas une forme pensée. Mais on va partir du principe et de la théorie qu'il existe bien le câble. Le cordon d'argent, quoi. Je continue. Alors, il n'existe pas un laps de temps précis entre le moment où le corps astral sort de la coïncidence et celui où il arrive à la fin du champ. C'est le tempérament de l'individu qui le détermine. Okay. Certaines personnes qui possèdent naturellement de puissants facteurs positifs tendant vers la projection sortent rapidement du champ d'activité du câble en étant parfois même incapables de s'arrêter. De tels individus expérimentent très souvent des projections non intentionnelles, généralement le soir à la faveur du sommeil. D'autres peuvent en sortir mais plus lentement, soit par l'intervention inattendue de facteurs positifs, soit par la provocation intentionnelle de ces facteurs. Certains encore, quoiqu'ils paraissent parfaitement sains et conscients, subissent, même pendant qu'ils marchent, le déclenchement de facteurs favorables à la projection. Le corps éthéré se met à vibrer, à tournoyer et à se détacher de sa contrepartie physique. Le physique se met à bouger, à trembler et à se tordre. L'éthéré devient ensuite cataleptique, prêt à sortir. Le physique fait de même,
l'éthéré se sépare du physique qui tombe en un tas de muscles relâchés. Ce que je viens de décrire est habituellement appelé épilepsie. Entre guillemets, je mets des petites guillemets, hein, parce qu'expliquer l'épilepsie par une espèce de sortie hors du corps ou une typologie de la sortie hors du corps, c'est un peu quand même ambitieux et pour l'époque, ça pouvait peut-être s'entendre comme une théorie, mais franchement, je suis pas trop sûr. Ces 8 dernières années, j'ai connu de près cette maladie, qui déconcerte les médecins. Le malade souffre d'un dérangement physique quelconque qui est la cause fondamentale de la séparation du corps éthéré. Les liaisons du cerveau ou des troubles sexuels en sont les causes courantes. Oh là 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 là. Des déficiences mentales surgissent toujours avec cette maladie. Mon avis, et pas seulement le mien, est que le déséquilibre de l'esprit, la folie sous toutes ses formes, est dû au fait que l'éthéré n'est pas solidement attaché au physique. Ça c'est un peu métaphorique, hein. Il n'est pas assez attaché, il n'est pas assez ancré au physique. Je suis pas... Voilà, c'est pas trop mon avis, hein, mais bon, il le partage. Alors, je continue. La folie sous toutes ses formes est due au fait que l'éthéré n'est pas solidement attaché au physique. Quand l'intermédiaire, l'ego, entre le corps éthéré et le corps physique n'est pas normal, comme dans le cas de l'épilepsie, certains sujets peuvent sombrer dans l'imbécilité. Bon alors ça, c'est bon, ça c'est juste son avis, hein. C'est ça le truc, c'est ça le... C'est un défaut que tous les humains ils ont en fait. Même moi, même n'importe qui, n'importe quel voyageur, quel que soit son niveau. C'est qu'à un moment, on fait de vraies expériences et à côté de ça, on va s'amuser à tout expliquer par le prisme de la sortie hors du corps, comme certains vont expliquer tout par le prisme de je sais pas quelle culture en fait. C'est comme ce que je disais en fait au départ. Donc il faut vraiment s'en rendre compte quoi. C'est pour ça il faut être hyper discipliné quoi avec soi-même parce que sinon. Commencer à expliquer que oui, non, l'épilepsie, c'est si, c'est ça, parce que la sortie hors du corps, ou dire oui, bon, lui, il a un TDI parce que la sortie hors du corps, ou parce que son corps est éthéré, etc. Ça, c'est pas médical, quoi. C'est pas de la science. Et bon, on n'a pas pour vocation de faire de la science sur cette chaîne, mais quand même, on respecte la rationalité, et la rationalité, c'est pas quelque chose qui entre en collision frontale avec la spiritualité. Au contraire, c'est la rationalité. Fait partie de la spiritualité. Et la spiritualité, ça l'englobe, voilà, c'est ce que je disais. Et la spiritualité, elle est là pour nous rendre rationnels. Et pour se remarier avec l'émotion, avec le sentiment. Cerveau droit, cerveau gauche, fusion. Donc, là, on est sur un truc, je suis pas sûr, hein. Bon, je vais m'arrêter là, du coup. Je vais faire ce chapitre-là, ça suffira. Donc vraiment... Pour résumer, là, il a parlé de la zone de réintégration rapide, en somme, et ce qu'il dit est complètement juste, parce que c'est basé sur ses expériences, et uniquement sur ses expériences. Et on voit dans la seconde partie de son chapitre qu'il utilise son expérience pour expliquer quelque chose qui n'a rien à voir. Il prend son expérience comme une vérité absolue, et il va appliquer ce qu'il connaît de cette expérience-là à différents autres sujets. La médecine, il va commencer à poser une théorie pour diagnostiquer l'épilepsie, etc. Donc ça, c'est un écueil à éviter. Et je sais que c'est tentant, et je sais que beaucoup le font naturellement. Mais justement, si vous le faites, c'est que vous n'êtes pas forcément très conscient, en fait. Vous n'êtes pas lucide. Il faut que vous soyez lucide, en fait, de votre système, de votre structure mentale. Quand vous commencez à mettre en place des théories, des convictions, etc. Il faut que ce soit complètement défini. Il faut que vous sachiez d'où ça vient et pourquoi. Si vous ne le faites pas, comment est-ce que vous pouvez prétendre être conscient? Donc c'est une discipline personnelle. Et je l'applique à moi-même, c'est pour ça que je fais attention. Et c'est pour ça aussi que je fais des erreurs, comme tout le monde au final. Parce que, si ça se trouve, moi aussi, j'ai pu partager des choses de cet acabit-là. Alors, attention, qui n'a jamais péché jette la première pierre, comme on dit. Dans tous les cas, c'était un plaisir de partager ce passage avec vous. On va continuer la prochaine fois. C'était le Voyageur de la Conscience. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fera monter l'algorithme. Et ma foi, on se retrouve pour la vidéo du lundi-mardi, on verra. C'était le Voyageur de la Conscience. Salut.